La caravane, la Premio Plus. Tiens, je vais te montrer une caravane à verso. 43 000 hors option. C'est bien parce qu'aujourd'hui, j'ai pas pris mon sac comme je suis arrivé un peu plus tard. Voilà. J'en vois souvent aussi des Bürstner sur les dans les campings où je vais. Hein. Comme ça, vous le voyez. Ici, à Papap, il y a même une douche. Et visiblement, tu sais vraiment te doucher dedans. Et ça, c'est plutôt bien. Tu vois, il y a une porte ici. Donc, les choses, tu peux mettre tes habits, par exemple, là. Je pense qu'il y a quand même possibilité. Ah, voilà. Oui, donc, tu as vraiment un espace ici pour pouvoir te laver. Parce que tu as un plexi qui se met de ce côté-là. Tu couvres ça. Ça, c'est bien. Il devrait faire la même chose dans certains... camping-car de leur marque, mais c'est pas celle-là que je voulais te montrer. Alors, le galerie TD649, ben, c'est parfait. Je peux te le montrer. Donc, galerie, c'est avec. Il y a des débats. Il paraît que c'est compliqué à. Ouvrir ou descendre. Je sais pas trop. Voilà. Donc ça, tu vois l'extérieur, mais l'extérieur, c'est vraiment comme un Bürstner classique. Hein. Ici, tu as, à mon avis, ça doit être des places pour pouvoir aller circuler dedans. Il y a l'air dessus. Je vais voir si on s'est rentré. Morgan. Voilà, parfait. Hop. Voilà, je voulais le faire celui-ci. Ah oui, je comprends pourquoi je voulais le faire, je ne me rappelais plus pourquoi. Bon, d'abord, les marches, tu as une chambre là. Bon, on m'a parlé qu'au matin, on devait être réveillé avec le soleil, mais non, parce qu'il y a aussi une tenture, donc ça, c'est plutôt bien, quoi. Et l'air qui est dedans peut être chaud ou froid pour isoler comme il faut. Et il est pas mal, celui-ci, hein, il est pas mal. Ça, c'est une marche qui se rétracte, évidemment. On va voir, test. Ah, dommage. C'est une grande douche et pourtant, c'est encore un rideau, mais en partie. Et c'est pas un rideau. Oh, ça, c'est bien. Oh, j'aimerais bien pouvoir. Il faut que je m'organise pour trouver, pour pouvoir aller réaliser des vidéos là-dessus parce qu'ils sont bien. Oui. Bon, juste faire attention avec ça. C'est bien parce que c'est du plastique, ça fera un peu moins mal. Et ici, donc tu as deux places, c'est 4 places carte grise, hein, donc tu pourras faire une banquette pour faire dodo ici. Sinon, le reste, évidemment, c'est le classique de Bürstner. Hein. Moi, je trouve que c'est bien. Hein. Ouais, c'est ta compression, les gars, c'est ta compression. Je suis un homme heureux, je te le dis, moi, je suis un homme heureux. C'est pas mal. Hein. Voilà. Ici, voilà, il fait 112 000 euros avec les options. Un peu moins de 100 000 hors option. Ils ont la gamme 2590, c'est plus court. À mon avis, on va voir à l'intérieur. Voilà, dans les petits formats en général, ce type de véhicule, tu as un lit transversal. Hein. Je ne vais pas avoir le temps évidemment de rentrer dans tous les détails, mais on voit que chez Bürstner, il y a quand même une évolution au niveau de la douche. Tu vois, celui-ci, c'est quand même 79 000, donc 80 000 euros, on va dire. C'est quand même chaud. Hein. Une caravane, c'est pas celle-là que je voulais faire. Mais je vais quand même la faire. Voilà, ici, tu as 27 000 euros avec les options, 22 000 et demi hors option. Voilà. C'est assez classique, ce type-là. Mais quoi que ça, j'ai quand même des abonnés qui me demandent pourquoi est-ce que tu fais pas des caravanes. Ben, j'en aurais fait quelques comme cela. Et comme l'année prochaine, enfin en fin de cette année, mais ce sera à partir de l'année prochaine que je le ferai. Ouais, t'as de la place quand même. Hein. Je vais être à plein temps là-dedans. Je pourrais faire des caravanes aussi. Allez, on fait un petit campéo. Je connais pas, mais visiblement c'est nouveau. On voit pas le prix. Je saurais pas te le dire. Je sais bien que vous aimez bien voir les prix, mais là, il n'est pas affiché. Mon avis, c'est pour la concurrence. Voilà, ici, c'est un Fiat, forcément, avec des lits jumeaux.
t'as les jumeaux, des lits superposés là au-dessus. Et là, tu as un lit pavillon pour les parents, sauf s'ils sont disputés, alors ils dorment chacun séparément, quoi. Bon, voilà, c'est un vario. Ah, ça, c'est très bien. C'est très bien. Je pense qu'ils ont vraiment mis. Je rentre dedans pour te montrer. Ils ont vraiment mis ce nouveau rideau qui collera pas. Et ça, c'est vraiment bien. Bürsner, félicitations. Ah non, non, très bien. Très bien. J'espère que je vais en voir dans les concessions. Voilà. Bien. Là, tu vois, tu as l'échelle qui est permanente. Tu ne dois pas t'amuser à la mettre à gauche, à droite. C'est un frigo à compression. Et il est pas mal, hein? Donc, campé au TD, mais je ne sais pas quel. Donc, c'est le 676. Les portes, tu vois, elles ont changé, quoi. Ça devient cafeutré. C'était pas le cas avant. Là, c'est plutôt très bien. On regarde un coup la soute. Tu vois, elle est étroite, mais c'est un véhicule étroit, quoi. Sinon, c'est du Bürsner. Alors, il faut se rappeler que ce type de véhicule avec des lits superposés, quand tu voyages, tu dois relever ça pour mettre tes affaires, donc t'as pas le lit en dessous, hein. L'idéal, c'est de voyager à trois, comme ça, vous n'avez pas de problème. Et tu vois, je me demande. Ils sont hauts, je me demande si c'est un double plancher. On va regarder, tiens. On va regarder. Ouh là là. Ah, je suis content de rentrer dans celui-là, tiens. Ah oui. C'est un double plancher, peut-être juste un double plancher technique. Fiat. Tu as un. Bonjour. Tu as un lit pavillon pour deux personnes, mais un vrai lit pavillon pour deux personnes. Et regarde un petit peu la place que tu as, la table que tu as, c'est extraordinaire. Vraiment. Je te dis, Bürsner, cette année, j'ai déjà vu à Düsseldorf, ils font du bon boulot. Ils se réinventent, je trouve. Et ça, c'est plutôt bien. Et tu vois, tu as. Ça, il faut savoir que le deuxième lit, quand tu voyages, il n'y a pas de place pour dormir, hein, puisque c'est ta soute. Ou alors, tu n'as pas de soute, tu prends une remorque. Frigo à compression, pour mon bonheur. Tu as de la place de rangement, vraiment. Regarde la douche avec un vario. Ah non, non, non. Bah, je vais te montrer le vario un coup. Regarde. Ça, tu as vraiment une grande douche, quoi. Ah non, non, très bien. Ils regardent l'intelligence. Ils n'ont qu'un point d'eau, mais simplement, ils servent pour les deux. Et bien placé. Non, vraiment. Je trouve qu'ils s'améliorent. Tu as une échelle qui est fixe. C'est pas un chauffage. C'est bien. Tu ne devras pas chercher où la ranger. Il y a juste celle-là. Voilà. Pardon. Pardon. C'est pas le problème. Je passe, excusez-moi. Alors, tu vois, c'est ce que je t'expliquais. Si maintenant ton véhicule est à charge, ben, la quatrième personne, il faudra qu'elle dorme ailleurs. Mais non, là, vraiment, je félicite Bürsner. Hein. Franchement, vraiment, là. Non, je ne sais pas si c'est tous, hein, mais on va aller un petit peu voir là. Ça, c'est pour une bonbonne. Mais de nouveau, comme tu as un frigo à compression, c'est des billes à cliquer, hein, j'ai oublié de te dire. Mais comme c'est un frigo à compression, tu as besoin de moins de. Comment je vais y arriver. De moins de gaz. Voilà, c'est ça que je voulais dire. 78 800 avec les options. 60 et 77 euros, 76, 77 euros. Allez, le Campeo 690-690G. Toujours pas les prix. Je l'avais vu au salon de Düsseldorf et je trouve vraiment que Bürsner évolue positivement. Non, je sais pas les prix ici. Je sais que je l'avais dit à Düsseldorf. Je le refais parce que je sais que j'avais mal utilisé la caméra et j'avais pas assez de recul, donc tout n'était pas fort top. Ici, ce sera mieux. Évidemment, c'est le véhicule Fiat, tu vois. C'est un, à mon avis, 4 places carteristes. Bonjour. Un salon, je vais te dire en L, mais face-face aussi, donc c'est les deux.
Voilà. Très intéressant. Franchement, je trouve qu'ils ont. Franchement, ils s'améliorent. Regarde un petit peu comme c'est joli. Alors, je ne te parle pas des décors, évidemment. Hein, mais. Ah non, non, non. Vraiment, juste voir là. La douche qui est un vario. Et tu vois, c'est ce que je te disais à Düsseldorf. Ils ont remplacé le tissu par une matière beaucoup plus rigide. Ça fait que ça ne te plaquera pas à la peau. Et ça, c'est plutôt bien. Vraiment, le coin cuisine, il est vraiment bien. J'espère vraiment qu'on ne va pas leur chauler des choses. Bref. Et tu peux regarder. À l'extérieur, ça a changé quoi. Tu vois, il y a vraiment une recherche. Ça fait beaucoup moins plastique qu'avant. Et là, moi, je trouve super au niveau de Bürstner, quoi. Vraiment bien. Vous n'avez pas peur qu'on vous prenne tous vos accessoires? En tout cas, bien présenté. Hein. Regarde. Tu as une grande soute. Tu as des points d'ancrage. Une prise. Tu as des lampes des deux côtés. À mon avis, ils m'ont entendu. Je pense, je pense. Bon, l'échelle là, je l'ai déjà dit dans d'autres marques, c'est pas judicieux parce que quand ta soute est remplie, c'est un peu compliqué. Voilà. Comme ça, tu vois l'extérieur. Bonjour. Le premier que j'ai fait qui était le 690, 690, lui, il a 85 000 euros. Donc ça, t'as le prix. Je vais te faire. Un intégral, parce que les intégraux, en général, on ne les voit pas forcément. C'est le 727. Dans les concessions, je parle. Hein. Voilà, ici, il revient à 135 000 euros et 120 000 hors option. Voilà. Bon, je pense qu'on arrive dans du classique, avec un lit pavillon au-dessus. Ça, je pense qu'ils n'ont rien changé par rapport aux coloris et tout ça. Mais on aime, on aime. Par contre, ici, tu vois, il pourrait être vendu en Angleterre parce que tu as le four et les Anglais, s'il n'y a pas de four, ils n'achètent pas. Ça, c'est original et c'est à souligner. Des lits jumeaux. Ah, la douche, je voudrais tester parce qu'il y a des fois le passage de roue, c'est rien, mais il y a des fois, c'est problématique. Et là, ta toilette, elle est haute. Mais je pense que tu pourras mettre tes pieds pour. Non, ça va. Je pense que ça ira. Ah, bah, tu vois. Ça ne se ferme déjà plus. Voilà. Les linéos, en fait, c'est avec les Ford. Et vous en avez déjà quelques sur mon stand. J'en ai déjà fait quelques, donc je suis content. Par contre, c'est la Caravan que j'aimerais bien voir, la Premium Plus. Je pense que ça devait être quelque chose d'intéressant. Premium, pas Premium. Premium Plus 520. Ici, c'est à 510. Et bien voilà, la Premium Plus 520. Alors, le prix 35 000, option comprise. Hein. L'extérieur, je vais le faire après, mais elle me semble assez habituelle. Tu vois, c'est plutôt un format assez grand. Hein. 520, je pense que c'est la plus grande. C'est un frigo à compression. Ah non, absorption. J'aurais cru de l'extérieur, mais ils ont le même look à l'extérieur donc. Là, par contre, je suis désolé, mais ça, ce sera une caravane où on n'utilisera pas la douche. Hein. Ben, c'est ce que je pense. Hein, c'est ce que je pense. Dommage, ils auraient pu s'organiser pour le faire. La table, elle fait se bouger. Tu as un lit pavillon. Voilà. C'est déjà un prix 35 000. Personnellement, je trouve que pour ce prix-là, tu peux trouver autre chose. De ce que j'ai filmé, hein, tu verras, tu jugeras toi-même. Hein. Là, tu vois l'avant. Eh bien, je suis content parce qu'en fait, j'ai fait tout ce que je voulais faire chez Bürstner. Et je continue. Allez, un Liseo 644. Il est déjà sur ma chaîne YouTube. Il est déjà sur ma chaîne YouTube. Mais ils ont un petit peu changé les coloris. Et ça, c'est plutôt sympa. C'est plus clair. Ils ont retravaillé le design. Vraiment, regarde un petit peu. Ah non, Bürstner, moi il m'épate. Hein. Bürstner, je te dis, il m'épate. J'ai oublié de te dire le prix, 69 940. Je suis content, je ne vais pas te dire 70 000, 70 000. Ah merde, je l'ai dit. Alors, qu'est-ce qu'on va aller faire?
On va prendre un intégral, comme ça on va voir. Mais je pense de mémoire que sur ceux-là, ils n'ont pas fait de changement. Tu vois, ici, la 125 000, c'est le Lisino I727G, sûrement un double plancher. Et rien. Je pense que je l'ai fait au salon de Düsseldorf aussi. Tu vois, regarde. Mais là, je pense que ça fait encore partie de la partie qui n'est pas encore relookée. Mais tu vois, ici, le salon, le lit pavillon à l'avant, là, il est électrique. Et il est... Bürstner, il m'épate. Par contre, là, tu vois, ça absorption. Mais je pense que tu pourras l'avoir à compression. Et là, il faudra juste tester, parce que je ne suis pas certain que ça passera. Mais peut-être que oui, je me trompe. Hein, regarde. Non. Je sais qu'il prépare bien les véhicules pour l'ouverture du salon, mais... Regarde un peu. Non. Tu vois, l'année passée, je t'aurais dit Bürstner, c'est vieillot, etc. Mais je trouve que cette année, Bürstner, il a vraiment réussi à faire quelque chose d'intéressant. Vraiment, hein, tu vois. Bah, d'abord, bah, tu sauras évidemment mettre au moins deux vélos sans problème, tu vois. Et là, évidemment, c'est à quatre places carte grise. Tu as les dossiers pour pouvoir rouler avec. Tu as du sanglage, prise, de l'éclairage en haut. Qu'est-ce que tu veux que je demande de plus? Rien. Je les félicite. J'ai envie de dire, je les félicite. Un plus court, un 690, ça c'est les grands, hein. Les 910 et le 920, je les ai faits, ils sont sur ma chaîne YouTube, si tu veux aller les voir, je te mettrai le lien là. Allez, on rentre dedans, 180 000 euros, comme ça tu as une idée, tu regarderas par rapport au prix que je t'avais donné. Ici c'est un Mercedes, je ne me rappelle pas que c'était un Mercedes, si, c'est un Mercedes aussi. C'est vraiment, va le découvrir. Je pense qu'ils ont aussi retravaillé le... Comment les couleurs. Parce qu'il me paraît beaucoup plus clair qu'avant. Je pense, hein, vraiment. Mais je vais vite parce que celui-là, vous l'avez en détail. Ici, par contre, c'est 110 000, c'est un plus petit. 690, je regarde la dimension et je ne la trouve pas. Voilà, là, c'est un 7 mètres de long. 7 mètres, c'est encore très raisonnable. Hein. Tu as une soute avec un vrai blender. Non, ils ont mis des lampes qu'il n'y avait pas avant. Enfin, il y avait, mais il y en avait une et c'était plus bas. Non, moi, j'ai envie de te dire félicitations, Bürstner. Je lis beaucoup, mais je suis émerveillé de ce que je vois. Franchement, regarde un petit peu. On est sur un petit véhicule, hein, 7 mètres. Hein. Et regarde les sièges, quoi. Waouh. Bon, je pense que l'Harmony Line, c'est la version la plus... finalisé, et sur le coup, malgré que c'est cher, je vais te dire c'est bon marché. Parce que franchement, aujourd'hui, les prix, c'est à absorption. Je suppose que je ne vais pas le répéter chaque fois. Et super, franchement super. Regarde ça. Non. Je me réjouis de pouvoir aller filmer chez eux. Je sais pas combien de temps, mais il faudra. Mais parce que c'est... Ils ont vraiment beaucoup d'intérêt. Bürstner, contrairement à l'année passée, je trouve qu'ils retrouvent de l'intérêt. Vraiment, c'est super. Voilà le plus petit profilé, je pense, de chez Bürstner. Hein. On va voir. Je pense que c'est le plus petit essai. Plus court qu'un fourgon. Il fait 6 mètres. Bah, il y a des fourgons de 6 mètres. Hein. Ce que j'aime déjà bien, c'est de voir la cassette que c'est. C'est pas la cassette. Voilà. Donc, il est plus haut, évidemment, hein, parce qu'il y en a des plus bas. Tu vois, celui-là, il est à 80 000, enfin, juste en dessous, hein, mais c'est 80 000. Bon, là, je pense qu'on est toujours dans le même intérieur que de l'année passée. Hein. Voilà. Et forcément, je pense pas tout. Tu vois, ici, tu as une grande salle d'eau. Allez. Écoute, si vous êtes à deux, mais avec un lit pavillon. Et là, le lit pavillon, il faut vraiment le tester, hein, parce que vous risqueriez de ne pas apprécier. Ici, ce sont des vannes, c'est parce qu'ils sont courts, hein, voilà, et étroits, compacts. Donc, tu vois, ici, ils font 2,20 m. Il y en a qui font 2,15 m, ici, ils font 2,20 m, toujours sur 6 m. On va voir.
Ici, évidemment, tu auras sûrement un lit transversal pour 69 000 euros. Là, on se retrouve évidemment avec encore l'ancienne génération. Ah oui, je me rappelle, je pense que j'ai déjà fait ce type de... Regarde. C'est pas mal quand même, hein, franchement. Non, ils sont très bien. Et tu vois, c'est un lit transversal. Enfin, je te dis, tu vois, faut que je tourne la caméra, évidemment, mais tu vois. Quand même, c'est, j'ai envie de te dire, et tu vois, tu as une marche qui est là, tu n'as pas une échelle, c'est bien comme ça, et tu as une poignée, et c'est un vario, bien, écoute, bien, bien. Juste une chose, je vais te dire, fais bien attention quand tu vas descendre là, parce que tu risques de descendre plus vite que prévu. Alors, on va faire le Skyline, le Liseo Time Skyline, 732 à 80 000 euros, paraît que c'est un nouveau. On fait vite le tour, comme ça, et j'en profite parce que c'est pas encore ouvert, j'ai un peu de temps, et ça, ça me fait plaisir, tu vois, regarde, et des baies affleurantes, c'est du Fiat. Alors, aujourd'hui, si tu prends du Fiat, si tu prends du Peugeot Citroën, ce sera la même chose. Hein. Il n'y a que le logo qui change. Et encore, si le constructeur met le logo Mercedes, tu ne verras même pas la différence. Si, sur les, sur les jantes. Là, on voit que c'est encore l'ancienne porte, tu vois. Mais d'un autre côté, ici, c'est du métal. Et je ne vais pas le répéter, mais Mercedes, il m'épate. Regarde. Alors, on voit que c'est un simple plancher. Les autres qu'on avait vus dans les premiers, je ne sais plus les noms que c'était, mais c'était un double plancher. Mais regarde, c'est encore une variante. Il t'offre quand même plusieurs possibilités, donc ça plaira à plusieurs... Ah, là, ils ont changé, tu vois. Ils ont un peu modernisé. C'est la même chose, c'est les couleurs qui changent. Hein. Bien, hein. Oui, je le dis bien. Et tu vois, ici, je pense que ça ira, tu sais, là. Le passage de roue ne sera pas un problème. Tu vois? Regarde, un lit central, t'as de la place. Non, 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 bien. Et il y a même une prise 220 volts. Alors, il y a des gens qui me disent que la prise 220 volts, on ne peut pas. Je suis désolé, mais s'il y en a qui la mettent, c'est qu'on peut. Hein. Sinon, on ne la mettrait pas. Petite soute, tu vois, parce que c'est un lit central. Voilà, c'est la ligne Skyline. Voilà, et tu vois, c'est des grandes baies, hein, à cliquer. 726, celui-là, il fait 7,42 m. Mais t'as une grande soute, là, tu peux mettre deux vélos sans problème, hein, tu vois. Alors là, t'as une lampe, mais elle est en haut, et donc, je vais pas me plaindre. Ce serait mieux qu'on ait une deuxième, comme dans les autres qu'on a vues, hein. Tu as des sangles, un vrai blender. Bien, j'ai envie de dire. Hein, tu vois, celui-là, 83 000 euros. Évidemment, on va rentrer, ça va être fort la même chose. Hein, si ce n'est que ici, tu as un salon en L face-face, hein, tu as les deux, hop, hop, hop. ils ont bien arrangé. J'espère qu'on ne va rien leur voler. Tu as un lit pavillon en haut, avec une clé. Évidemment, les coloris et tout ça, on va retrouver ce qu'il y a dans les autres. Hein. Tu vois, des lits jumeaux. Et tu as la possibilité d'avoir le lit skin size. C'est un vario. Moi, je suis assez épaté. Frigo à compression pour le bonheur du petit Marcel. Tiens, on va un petit peu regarder. Bon, classique. Et ça m'a l'air bon. Hein. Bon, c'est du plastique. Mais ça bouge pas trop. Tu as des prises. Pas mal. Tiens. Voilà, le Copa C500. 67 000 euros. Alors, là, évidemment, là je vais pas rentrer dans les détails. Hein, vous, c'est des trucs qu'on aime, on aime, on aime pas, on aime pas. Moi, c'est pas ma tasse de thé, mais comme ça, je vous le montre. Hein, j'aime bien vous montrer tout. Comme ça, vous pouvez voir tout ce qu'il y a. Voilà, on va aller juste voir derrière maintenant. Bonjour. Bon, c'est
L'avantage avec ce type de véhicule, c'est que tu peux voyager toute la semaine avec pour voyager, hein, avec conduire les enfants à l'école, etc. Et puis, tu t'arraches le week-end. J'ai plusieurs fourgons de le camper au forêt, je l'ai, tu vois celui-là, tu le retrouveras. J'ai regardé pour voir s'il y a quelque chose qui a changé, mais à mon avis, à part le prix, hein, tu arrives à 64 000 euros. Voilà. C'est du classique. Non, je crois pas qu'il y ait quelque chose qui a changé. Peut-être des couleurs plus claires, peut-être. Mais sinon, ici, c'est avec des rideaux, tu vois la douche. C'est pas... Non, ça n'a pas changé. Voilà, je l'ai fait comme ça, t'en as un. J'ai fait beaucoup de Bürstner. Moi, ceux qui m'ont impressionné, c'est ceux qu'on te voit là. Le Campeo TD attractif, il est vraiment, vraiment bien pour moi. C'est celui qui retient toute mon attention. Alors, il y en avait deux, je crois que je t'ai montré. Hein. Mais ceux-là, ils sont vraiment bien. Si tu veux soutenir mon travail, il y a tout ce qu'il faut sous cette vidéo. Cliquer sur un cœur et me soutenir à ta meilleure convenance, m'offrir quelques cafés ou encore faire un tour dans ma boutique virtuelle qui t'offre des accessoires indispensables comme par exemple un parapluie ou un mug pour ton café ou ton thé. Merci d'avance. Pour rejoindre ce club ultra select des abonnés à ma newsletter et pour t'abonner à ma chaîne YouTube, eh bien c'est par ici. Et c'est par là. Comme tu le vois, Marcel voyage, Marcel partage. Allez, à la semaine prochaine pour d'autres aventures sur roues et péripéties avec ton guide préféré, moi. Prends soin de toi. Ciao, ciao.